Les gens s'évanouissent, on se retrouve pour poursuivre notre petite conquête. Enfin, notre grande conquête spatiale, pardon, sur Stellaris. Et nous étions donc dans deux projets principaux. Donc, toujours notre projet de guerre sur un peu tous nos voisins. Et sachant qu'on vise maintenant les calamars, qui sont à notre sud-est. Et aussi donc un immense projet d'expansion très massif. Alors ça c'est une flotte de transport, poil. Alors j'attends que mon essaim va se faire réparer. Et je vais aller partir légèrement nettoyer les... Je vais l'envoyer nettoyer les pirates. Tout simplement que derrière ça... Je gère mes colonies en fait. Tout simplement. Alors on va commencer par aller nettoyer celui-là. Debris analyzed. Voilà donc... Rappelons que le but est de profiter du fait que justement on n'est pas trop embêté par ici pour aller coloniser un max et faire un assez gros secteur qui s'administrera tout seul. On va avoir un autre secteur par ici, hein, au nord en gros. On aura un secteur, l'objectif est d'avoir un gros secteur ici, un gros secteur là, et gérer les autres planètes par nous-mêmes, quitte à faire disparaître par exemple ce petit secteur là, qui du coup n'aura plus vraiment lieu d'être, si, il sera tout petit. Au niveau des planètes, on en est où ? System survey complete. On en est pas trop mal. Je regarde surtout s'il n'y a pas des choses que je pourrais améliorer. Ah si. Améliorer la centrale qui est là. Ils en sont où au niveau de la bouffe? Ils sont pas très bien nourris. Malheureusement, je peux pas faire grand chose de plus. Il faut que j'attende. Ici, je peux construire un labo. Un labo. Hop. Ici, là, je peux te construire la centrale de traitement. Oui. Alors, c'est normal que ça se batte. Ah, tiens, j'ai mes potes qui sont là. Qui vont taper aussi. Ok. Du coup, j'ai pas vu ce que j'avais fini de rechercher. Alors. Meilleure centrale d'alimentation, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs on va faire ça. Bon là c'est les petits nuages, hein, c'est vraiment classique. Alors j'ai mes vaisseaux de colo qui commencent à arriver, donc il faut que je les gère assez rapidement. Alors, je veux vraiment lancer... de la colo dans ce coin là. Alors ici l'avantage c'est que c'est déjà dans le secteur, donc du coup on va pas avoir trop de mal. Je vais venir là, hein. Oh là là. Et les musiques sont vraiment cool, hein, dans ce jeu, c'est dingue. Ah oui, je peux pas coloniser le... Ah oui. C'est en cours peut-être. Non. Non, bah non, bah je ne sais pas alors pourquoi. Bah là, oui, okay, là quoi. Et ici, je pense que. Donc là, je rappelle que j'ai une observation. Oh, il y a un super truc là. À choper. Oui, mais je ne peux pas le coloniser. Je peux coloniser que les planètes pleines. Alors, je me comprends quand j'ai planète pleine, c'est au niveau de l'apparence. Où est-ce que je le mets? Générer des richesses ici, par exemple, ça pourrait être pas mal.
Special project complete. D'accord. J'ai pas du tout fait gaffe à ce qu'il me disait. Donc ici c'est fait. On va les nettoyer là-bas. On viendra nettoyer ici. On en est où de nos postes d'observation? Je fais attention un peu à la Moyen Âge tardif, ok. Renaissance. Pas peur. En eux, je pourrais, pourquoi pas en faire des potes. L'âge de la vapeur, ça commence à être un peu. Quoique, a priori, faut que j'attende quand même encore un petit peu. Là, ça m'arrangerait par contre de les choper direct. Parce que les avoir comme ça à l'intérieur, ce serait pas forcément la chose la plus pratique. Ah, bon, on va quand même faire les biolabs en premier. Alors, j'ai un amiral qui est mort. Je peux sélectionner, s'il vous plaît? Très 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 facile à battre, hein. Il n'y a pas de... Même s'il n'y a pas d'amiraux... Supériorité assez... Alors, hop, ça tombe bien, j'avais un jeune capitaine justement qui avait dû prendre une promotion, qui est tout à fait disponible. J'ai encore des vaisseaux de colo? Oui, j'ai encore des vaisseaux de colo. Du coup, bah, on va continuer. Hein. Ça me plairait bien de... Oula, dis donc, je trouve que vous colonisez un petit peu trop près. Je peux y aller ici? Oui, je peux y aller. C'est la seule? C'est la seule. Ah, c'est un petit peu embêtant. Je vais le mettre là, quoi. Hein. Ou alors là. Bah non, là, il vaut mieux que je crée des richesses, en fait. Hop. Ok, ok. L'essaim va continuer en venant là. Il y a des choses très très intéressantes ici. Hein. Oui, j'avais déjà un petit peu programmé la route de mon vaisseau de recherche un peu en avance. Pas trop mal niveau force militaire. Mais ça vaut pas spécialement le coup. Ça me donne quoi ça déjà si je le fais? Point de vie des boucliers. Ah oui, c'est pas mal quand même, plus 20%. On va continuer un petit peu de faire grossir notre flotte. Hein. Ça change pas. Alors, je vais juste créer un secteur temporaire de ce côté-là. Il va se gérer tout seul. Hein. Ouais. Ils vont se gérer tout seul pour le moment. Je réajusterai plus tard.
histoire que moi j'ai un petit peu moins de choses à gérer et que ça, je sois pas en déficit non plus. Il faut juste que je pense bien à leur dire qu'ils me donnent 75% de leur richesse. Voilà. Ok, donc mon leader est mort. C'est pas la première fois. Hein. Coup des décrets, durée. Ouais. Bon là, peu m'importe, donc je vais m'abstenir. Qui est-ce qui est en famine? Oui, bah oui, je sais. Je sais que vous êtes en famine, c'est pas nouveau. Et je suis en train de rechercher quelque chose dans ce pour ça justement, donc patience. Je vais améliorer ça. D'accord, donc durée de vie, coût de construction des corvettes, ok. Là franchement peu m'importe. Hein. Et ok, donc ils étaient déjà morts Ok, peut-être. Là j'avais l'exploration. Ok, bah écoutez, du coup, est-ce qu'on y va tout de suite? Je ne sais pas. On va quand même attendre un petit peu le... On va se mettre en position, je pense. Mais on va pas tout de suite leur déclarer la guerre. Alors, on va essayer d'aider un petit peu nos colonies, hein, quand même. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à faire là, mine de rien. Pas mal de petites choses à récupérer. Surtout, du coup, l'électricité, c'est très important, hein. Et je vais aller leur récupérer ça aussi. Voilà. Ils vont pas manquer d'électricité, c'est moi qui vous le dis. Alors ça, je peux le faire parce que du coup, de toute façon, c'est eux qui gèrent. Et ici, d'accord, j'ai pas découvert. Construction complete. Voilà, tout ce que eux me génèrent, de toute façon, c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié des trucs ici, hein, non? Bah ça là-bas, non, puisque ce sera colonisé plus tard. Donc je vais éviter de tout de suite bouffer dedans. C'est sur mon territoire ça? Non. Ça par contre ça doit l'être, oui. Voilà. Voilà. Du coup j'aimerais bien savoir ce que j'ai là-dedans quand même. Pas se mentir, hein. Pas mal de petites choses à faire, hein, le... Le gars, et puis après je le ferai revenir par ici. Ok, et trop d'ordre. Je pense qu'il y a un peu trop d'ordre. Où en est l'essaim? Ça, c'est la grande question. Du coup, toutes les autres ont fini. On va tout ramener. Je vais peut-être diviser en deux, du coup, la flotte. Construction complete. Construction complete. Ok, oui, t'as construit plein de trucs, c'est cool. Le mec, en fait, il en a rien à faire. Les conseillers, je les écoute pas. Ah, et ça, c'est la fameuse petite planète. Qui est là, hein? Oui, qui est là. Eh bah t'es ailleurs, tiens. Non, pas là. Là. C'est utile. C'est utile. Et là aussi, attends, il y a un truc 4? Non, j'ai un total de 4. Tiens, je pourrais me faire une autre colonie ici.
Ok. Vous êtes qui? D'accord, c'est eux qui sont là? Bah d'accord, mais je vais vous défoncer. qu'est-ce qu'on fait du coup? Mais putain, mais ils sont en alliance avec pas mal de monde en fait. Bon, ils sont en guerre aussi avec beaucoup de monde du coup, hein. Mais libérer, 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 libérer. Mais moi, je veux bien, mais c'est pas trop ça que ça m'intéresse pas trop. Ah non, d'accord. Si eux ils perdent, ils libèrent toute leur planète, quoi. Ça m'arrange pas en fait. J'aurais bien aimé faire un contre-ordre. Ah bah je peux en fait, voilà. Oh putain, ok, faut. Est-ce que je peux faire ça, genre? Attendez, c'est qui? Eux? Attendez, attendez, pause, 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 pause. Vous êtes qui vous? Union of quelque truc. D'accord, donc c'est eux. Sinon, il y a les Spiran machin qui sont là. Et Shanga, qui centralise de trucs là? C'est pas eux. C'est qui? Eux? Oh putain, vous êtes tellement loin. Non, bah écoute, ma frontière directe c'est eux, donc oui, je vais prendre eux quoi. Est-ce que par contre je peux. Il reste des points pour que je file des planètes à des potes? Genre les Spiranes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ça. Attends, on est trop. Ah ouais, mais. Quoique si, attends, 16, ça passe. Donc ça par exemple. Un truc des Spiranes à filer à eux. Merde, non, je suis trop haut. Il n'y a pas une planète qui vaut moins de 16. 12. Les Spiranes. Voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Alors, bon, bah du coup, ça va être vite vu. Alors, la flotte de transport, je m'en fous. Vous me mettez tout dans les seins. Ça peut être mal interprété en dehors du contexte, ce que je viens de dire. Mais... Oubliez cette blague. Alors, attendez. Hein. Donc, je suis pas en guerre contre les calamars, pour le coup. Je suis en guerre contre eux et contre eux. Donc eux ils peuvent aller taper sur eux, donc soit, pourquoi pas. Et moi je vais aller taper du coup sur eux. Donc je vais ramener mes flottes là-dessus. Et puis c'est parti. Est-ce que je peux refaire des vaisseaux de colo? Parce que je vois que j'ai encore plein de trucs en fait. Oui, bien sûr que je peux en refaire. Allez, j'ai plus de thunes. Ok, go! Bah écoutez, je comptais pas rentrer en guerre tout de suite, mais puisqu'ils veulent se taper, on va se taper. Ok, j'ai rencontré des mecs encore. Ah. Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Un empire stagnant. Avec une puissance écrasante, quoi. J'ai intérêt d'avoir des bonnes relations avec eux. Tout de suite leur mettre une ambassade. Du coup, mon vaisseau scientifique se retrouve un peu. Il va faire quoi en fait? Je sais pas. Les autocanons ont été finis de rechercher.
Pas mal de choses là, hein. Mais need de la thune. Ok. J'allais dire, ouais, je peux pas les avoir dans la même flotte. Situation log updated. Hop, voilà. Ils ont beaucoup de monde ou pas? Ils ont du people, hein. Voilà, je fais déplacer mes flottes, hein, du coup. Pour l'instant, je laisse tout dans une seule... dans une seule, quoi. Tout simplement. C'est bien, tiens, les vaisseaux scientifiques, ils ont plus perdu leur... je sais pas, en fait. Ah. Et un combat qui s'engage là contre des potes? Non, pas spécialement. Ah là, j'ai leur grosse flotte qui est là. Enfin, grosse flotte. Je pense qu'ils vont se faire défoncer, hein. Parce que j'ai le double. Donc bon. Oh, ça fait mal, hein. Bon, ils ont quelques autres petits vaisseaux qui se ramènent derrière, mais c'est sûr et certain que je vais gagner, là. Ah, le bordel, quoi. Ok, donc j'ai terminé l'invasion déjà de leur monde là. Là, 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 ce qu'ils ont pris, quoi. Après, faut pas oublier. Ah, mais c'est même pas les mecs qui m'ont déclaré la guerre, ça c'était leur pote. Alors, je vais juste resélectionner tout ce bordel. Ah, je peux pas parce que forcément c'est la guerre. Eh ben quoi. Qui c'est qui est mort? Un scientifique est mort. Faut que je recrute un nouveau. Hostile fleet detected. Situation log updated. Où ça? Ouais, ok. Enfin, 72, c'est pas grand chose en fait. Je peux les envoyer là. Hein. Ils vont s'en occuper. Qu'ils s'y foutent là-bas d'ailleurs. Le truc, ils sont à 10 milliards de kilomètres de leur monde. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Debris analyzed. Bon, on a eu. Un bon petit dégât là de fait. Situation log updated. On va aller assiéger leur ville principale. Bon, à un moment je me disais ouais c'est bizarre, c'est pas les mêmes. Si si. Alors, j'ai mes vaisseaux de colo qui sont arrivés. Donc, du coup, je voulais coloniser ici. Ouais, là, c'est bien. Et puis, pourquoi pas par ici. Mais du coup, je vais plutôt prendre celle-là. Comme ça, j'agrandis un petit peu le territoire en même temps, hein, évidemment. Faut pas oublier. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais y aller, à vrai dire. Bon, donc là, j'ai mes potes qui sont juste derrière. Hein.
Leur capitale, elle est où? Elle est là-bas. C'est ça, hein, c'est leur capitale, oui. Ça risque de faire très très bobo. Scientifique est mort encore. Ah, ils sont vieux, mais scientifiques, hein. Ça peut être pas mal, ça. J'ai perdu ma flotte de transport qui est là. Rencontre. Tira Sinsia. Quoi? Des mecs que je ne connaissais pas qui viennent de rentrer en guerre contre moi, c'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Bon, bah, je sais pas où ils sont. Fusionnez-vous, vous deux. Rassemblez-vous là-bas. Faire une genre de deuxième flotte, quoi. Genre, parce que bon. C'est qui en fait? J'ai pas trop suivi. Non mais oh 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 oh! Les mecs ils partaient quoi! Non non, vous partez pas, vous. Vous finissez de bombarder quoi! Pas de raison! Là ici ils sont en train de taper dessus. Mais c'est juste des petits vaisseaux de merde, pourquoi vous allez dessus? mais putain! Ok, j'ai gagné un amiral. Ça tombe bien, je vais vous en mettre un. Enfin, je vais vous le mettre du coup. Petite sauvegarde. Bonjour. Je ne connais pas, mais c'est pas grave. Ils vont continuer de se peupler un petit peu cette deuxième flotte. Il y a du monde. Là, il y a du monde. Ok, encore un mec qui s'est illustré. Alors là, par contre, là, si vous voulez aller taper dessus, il n'y a pas de problème. L'aile. En fait... Ah, voilà. Là, ça vaut le coup, ça. Ah, là, par contre, il y a un petit peu trop de monde, je crois. Hein. Ouais, il y a un petit peu beaucoup trop de monde. Putain, il se barre. Quoi. Bon, on va écouter. C'est pas grave, hein, viens bombarder. Comment se passe la guerre de manière générale? Est-ce qu'on la gagne ou est-ce qu'on la perd? On la gagne plutôt. Hein. Elle a une force de combien ma deuxième flotte là? Comment on va t'appeler toi? Parce que du coup, comme on a eu les 100, on va l'appeler la ruche. Je crois qu'on avait déjà eu hein, deux armées. Te ramener des vaisseaux parce que du coup t'es quand même ah j'ai fait une recherche. Ah, les biolabs, cool. Durée de vie des leaders et nourriture, c'est cool ça. Le mec il réfléchit même pas. Oh, c'est bien. Colony established. Alors machin a commencé à intégrer l'autre, si tu veux. Vous serez bouffés tous les deux avant la fin de cette guerre, de toute façon, donc vous faites-vous des câlins si vous voulez. Ouais, ça me pose pas de problème. Moi aussi, il faudrait que j'intègre des sujets, mais le problème, c'est que mes sujets, jusque-là, ils sont assez loin. Donc, je préfère pas. Je préfère éviter. Ok.
Je peux pas là. Marrant. Intéressant. J'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Maintenant j'en ai. Allez, finissez donc de bombarder un petit peu tout ce bordel là. Alors, du côté de la ruche. Mais en plus, mais pourquoi je les mets là, eux? Ils ont rien à faire là en fait. Ah, venez là-bas. Allez, les gars, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Je crois qu'il y a un mode pour faire des rally points, mais je vous avoue que là, comme ça, je l'ai plus en tête. Ils sont en train de faire quoi là, hein? Je sais pas trop. Ok, je vois ce qu'ils font. Ça me plaît pas. Venez là plutôt. Essayez de les prendre en sandwich. Et eux, ils me suivent vraiment, quoi. Vous avez aucune indépendance, les mecs. Oh putain, je me fais défoncer, non? Ah non. Bah oui, d'accord. Non, non, je devrais le gagner. Pouf, 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 pouf. Hop là, capitale occupée. Planète occupée. Ah, il leur en reste pas beaucoup, hein. Hostile fleet detected. Putain, mais... Oh, il commence à me saouler, là. Je sais ce que va faire la ruche. La ruche va être un petit peu les gars qui passent derrière. Attends un peu les gars qui passent derrière. Et ouah, putain, j'ai une flotte de ouf malade, là. Vient d'arriver. Ça se passe comment sinon ici? Y'a pas de planète là? Ah si. Et là? Là il se passe rien en fait. Ouah putain c'est. Waouh! Fuyez? Est-ce que je. Mais hey, laisse-moi en sélectionner plusieurs! Putain, hey, ils sont trop chiants par contre à faire ça. Ils sont où? Construction complete. Poursuivez. Ouais, d'accord. J'ai les 5 qui traquent les autres là. Oh putain, ils sont trop loin. C'est le bordel, hein, cette guerre. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Elle est où la ruche là? Putain, qu'est-ce que vous foutez là, gars? Ah, pourquoi pas, hein? Mais Hostile fleet engaged. Mais non, en fait, il n'y a pas de planète. On s'en fout. Situation log updated. Oula, c'est quoi ce bordel? Situation log updated. Mais non, bah là, ouais, mais là non, quoi. Non, non, là, faut pas y aller par là, en fait. Situation log updated. Bon, je vais rassembler toutes mes flottes là. Hein, les flottes qui servaient à rien, quoi. Hostile fleet engaged. Et ce sera donc la ruche qui va en bénéficier. Du coup, les saints s'occupent un petit peu de ces trucs-là. Faut pas déconner non plus, hein, à un moment donné. Bon. Oh merde, putain.
Oh, comme ils se sont fait démonter mes vaisseaux de transport. Waouh. Va falloir revenir là pour faire le plein. Qui c'est qui est mort? Encore un scientifique, mais putain! Arrêtez de vous rire. Vous voyez pas qu'on est en guerre là, j'ai autre chose à faire. Bon. Cette guerre. J'ai cette guerre plus la merde. C'est pas facile là. Ça saute, ça va dans tous les sens. Mais quoi encore? 2 secondes, je gère d'abord mes recherches. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes qui, vous? Mais putain, mais je vois pas que je suis occupé. Alors, c'est vrai que ça m'arrangerait bien qu'il me laisse tranquille, parce qu'il a l'air d'être vachement tendu, lui, quand même. Il a l'air balèze. Donc, je vais accepter. Je vais m'établir une ambassade chez toi parce que on va éviter les confronts. Putain, il a l'air. Il est vachement positif avec moi. Ça te dit un accord commercial? Mais non, on n'a rien. Bon, écoutez, je vais mettre pause. Nous sommes rentrés dans une guerre qu'on ne voulait pas. Voilà, moi je voulais taper des poulpes et je me retrouve à taper des. Ouais, des champignons là. Et des trucs bizarres. Et eux. Attends, mais. C'est eux qui m'ont déclaré la guerre au début là? A déclaré la guerre. Bah si c'est eux. Ils avaient pas cette gueule là? Mais. Mais. Il s'est passé quoi là? Je ne sais pas. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Oui, il s'est passé beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. On a quand même réussi à du coup faire un petit peu ce que je voulais, donc une expansion assez massive. Alors, c'est bien parce que du coup, j'ai pas besoin de m'en occuper, tant mieux, hein, ils se démerdent. Il y a une guerre à mener qui est assez difficile parce que du coup, il y a des gars qui utilisent les l'hyperpropulsion et ça, c'est chiant parce que les mecs ont tendance à vite s'échapper quand vous n'avez pas la techno pour les bloquer. Techno que du coup je n'ai pas. Donc on termine cet épisode en plein milieu de la guerre. Et je vous dis à très bien, à très rapidement pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu ou à vous abonner à la chaîne. Allez, à plus!